famille. La finale, c'est nous. La finale, c'est maintenant jeudi. Jeudi le 3, non ? C'est le 3, hein. Donc après demain. C'est ça, jeudi.
Camera va me lei, Nations Unies. Nations Unies.
sérieux, normal. Oui, chers amis sportifs, bienvenue à Massima Débat pour cette deuxième explication de la journée. Ce grand match tant attendu, ce grand choc de zone UNIFAC entre les Lions indomptables du Cameroun et les Leopardos de la RDC. Deuxième demi-finale de la journée après la première où nous avons assisté à la victoire et à la qualification de Diable Rouge à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et là, nous sommes en train de voir ce deuxième affiche. Qui des Diables Rouges, qui de la RDC ou encore des Lions indomptables du Cameroun vont valider leur ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations où nous voyons déjà les deux nations sur l'air de jeu. D'un moment à l'autre, nous allons écouter l'hymne national de deux nations entre les Lions indomptables du Cameroun et les Leopardos de la RDC. Je vous demande de plus respecter aujourd'hui pour tous les hymnes nationaux de l'île.
Oui, chers amis sportifs, l'ambiance monte, l'adrénaline est en train de monter ici à Massama Déba pour cette très belle affiche entre les Lions de Table du Cameroun et les Leopards de la RDC. Et nous allons vite de les composer de formation. D'abord du côté des Camerounais qui ressort cet après-midi, nous allons retrouver Bangwa Kedan Changni dans les perches, Sonny Farrell Evina, Junior Ella qui prend le poste de capitaine de Trouma de Nathan Dalla qui a été relayé au bord de touche, Stéphane Numbisi, Etienne Dimitri Maboka Makan, Dibran Aruna, Dubrel, Jordan Odjoa, Dorinel Wonjo Mata Angel, Jodé Simo, Amidou Amida Hamza et Ivan Jordan. Comme remplaçant, nous aurons Frédéric Diwa Goulva, Wilfried Douala, Ivan Anafeng, Arsène Mekila, Adrien Boris Enfoumou, Jovial Mengua 2, Laurent Essunga Elounou et Emmanuel Erka. Comme entraîneur de cette formation, nous aurons Ivan Kenmoué du côté de Cameroun. Alors que les 11 côté Leopard de la RDC, nous aurons Ishindi Ike, David Omukandila Ferdinand, Merdi Palato, Jules Awoka, Kevin Makoko, Bichekwa, Ibrahima Tobo Mabalou, Winner Eboma, Berdi Mavutuku, Dieu merci Lou Congo, Tony Talassi et Dieu Kalondi. Comme remplaçant, nous n'aurons que 3 joueurs de bande de touche. Il faut dire que cette nation a un effectif réduit. Nous n'aurons que Anelka, Saka Tuelenga, Eugène Udumbo et Johan Ebopakanke. Ngaloumoua, seul expatrié de cette nation de la RDC, le seul joueur qui vole du côté d'Europe, notamment du côté de Melous en France. Alors que de côté de Camerounais, ce sont tous des jeunes qui évoluent du côté camerounais. Pierre Kesman, très belle affiche. Une qualification encore est attendue dans quelques instants. Massouma Déba entre les Lions en table du Cameroun et les Leopards d'eau de la RDC. Alors que cette rencontre sera officiée par Abdelkarim Ousmane du Tchad. Il sera assisté par le Congolais Malanda Prefina et de Bouzo Grina Zoubaïov, Wilfred de la République centrafricaine. Et comme quatrième officier, nous aurons Gaston Dacosta, du Sauve-Tourme Principe. Commissaire, nous aurons Élise Deli, Assonga, Pierre Kesman. Belle affiche où nous ne savons pas qui de la RDC ou du Cameroun va se qualifier pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, sachant qu'il y a déjà une pièce qui a été validée par les Diables Rouges du Congo. Et oui, Bello, une très belle affiche entre les deux nations. La RDC qui sera face aux Lions Adaptables du Cameroun a déjà à vue de la tournoi, du tournoi qui se passe. Le Cameroun qui a une très belle attaque, qui a marqué 7 buts. Ça sera vraiment facile pour aider à aller chercher la victoire. Mais il faut se dire que dans la RDC, malgré il y a une effectif réduite, peuvent également surprendre cette équipe du Cameroun. Une très belle affiche. Qui des deux équipes va rejoindre les Diables Rouges en finale et qui va se qualifier pour la prochaine CAN? Oui, une finale avant l'être entre le Leopardo de la RDC. Car hier, lors de la conférence d'avant-match, l'entraîneur Kibou Kassal a souligné que ce n'est plus la phase des groupes. Nous jouons certes face à la meilleure attaque du tournoi, car ils sont jeunes, mais ils ont réussi à marquer 7 buts. Mais en face, c'est une équipe aussi de la RDC déterminée, motivée de faire un très bon résultat afin de se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est parti pour ces 45 ans, c'est la partie entre le Cameroun et la RDC, avec les pas de pied des Kinois déjà, avec ce jeune Makoko. Voto Angel, il faut dire qu'il y a des changements qui ont été opérés du côté camerounais dans le capitaine Nathan Douala qui est renvoyé au banc de touche. Il n'y a pas seulement Nathan Douala, il y a aussi ce jeune joueur buteur lors de la précédente sortie des Lions Indomptables au nom de Adrien Boris Enfoumou qui a été renvoyé au banc de touche côté des Lions. Des choix très forts, mais il fallait le faire par l'entraîneur Ivan Kenway, Pierre Kesman. Oui, tout à fait. On a senti également il y a eu changement au niveau de la composition. Adrien Mfoumou qui est absent, il y a également Nathan Douala qui n'est pas vraiment sous l'air de jeu cet après-midi. On remarque également du côté de la RDC, il y a eu le changement car ce jeune Winner Eboma également est préféré cet après-midi par l'entraîneur Gilles Boukassa. Parce que côté de la RDC, Guy Boukassa a reconduit les mêmes 11 que face à la Guinée équatoriale car il y a un effectif très réduit dès le par la RDC. La balle est déjà partie aussi à Massama Déba avec Ferdinand Mokandla. L'entrée de touche sera camerounaise avec Ella Junior qui prend le brassard de capitaine cet après-midi pour les Lions de table du Cameroun. Hamza Ahmed. Hamza. Il faut dire que c'est une équipe de Cameroun très offensive. Une attaque très dynamique qui marque à n'importe quel moment. Aouka Jules qui va retrouver l'autre côté Salomo Cédric. Non, plutôt le latéral Palato Merdi. Le latéral gauche, ce jeune Palato. Sociétaire de la jeunesse sportive de Tsangou. Touche camerounaise.
indique l'arbitre Abdelkarim. Il faut dire que c'est une rencontre beaucoup suivie, car le public n'a pas du tout quitté le stade Massa Madiba après la rencontre entre le Congo et la République centrafricaine. D'ailleurs, le public est encore renforcé, si on peut utiliser ce terme, pour poursuivre ce grand match entre la RDC et le Congo, où nous savons que c'est une rivalité énorme au niveau de l'Afrique centrale ici. Et la Junior, Eluna, lui qui a été titularisé cet après-midi au détriment de Fumo Adrien. Faute pour les zones d'entables du Cameroun. Longue balle à part de Hamza Ahmed qui va chercher Dibran Aruna. Et la Junior, longue balle de la Junior. Angelo Wonjo. Première action côté Lyon. Mais la tête de Angelo Mata. On ne va pas du tout inquiéter le portier Uchindike. Encore Ela Junior. Ina. Oluna. Récupération de Mukandjila Ferdinand. Mukandjila. Evina. Attention, Mavotoko. Mavotoko qui a voulu chercher pour Fanava Lukombe. Oui, faute de Lukombe, Dieu merci. Et coup franc pour les Lions indomptables du Cameroun. Ça discute sur le banc de remplaçant des Lions indomptables. La balle vers ce jeune Eluma. Il faut dire que Gédéon Simon. Adjoa. Hamza Ahmed. Donc balle de Hamza Ahmed qui va chercher la profondeur pour Dibran Aruna. La balle va filer droit en 5m50 en faveur de le pardon de la RDC. Balle dans les mains de ce jeune portier du SAS Don Bosco. Uchindi Ike. Il faut dire que à l'absence de Salomon Cédric, le sélectionneur Guy Boukassa a préféré de faire replier ses jeunes Lukombe, Dieu merci, dans la charnière centrale en compagnie de Kalonji Dieu. Lukombe. On est à la suite. Mavotoko. Mavotoko. Oui, faute de Mavotoko. Sur Eluna, côté camerounais. Plutôt Ivan Nana. Qui lui a toujours réussi à faire des très belles entrées côté camerounais. Mais cet après-midi, il a gagné la confiance de l'entraîneur Ivan Kemoe. Pour être titulaire cet après-midi. Ce jeune sélectionneur camerounais qui connaît bien cette formation. Car il est ici depuis fort longtemps. Il a su convaincre cette formation camerounaise, cette fédération camerounaise, en lui laissant vraiment du temps de se préparer, de mener cette équipe, car cette nation a eu énormément de matchs amicaux avant d'arriver à Brazzaville. Ils sont d'ailleurs parmi les favoris de ce mini-tournoi de l'UNIFAC, où ils étaient 6 au départ. Ils ne sont plus que 4 au final pour aller chercher cette place, ces deux places très convoitées, où il y a déjà un ticket validé pour la prochaine Coupe d'Afrique Nation que les Diables Rouges venaient d'obtenir. Alors ces deux nations vont se batailler corps et âme pendant les 40-90 minutes pour aller chercher ce deuxième ticket qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le coup franc pour les Léopards du Congo avec Merdi Palato. Merdi qui va écarter pour Mavutuku. Merdi Mavutuku. Balle récupérée par les Camerounais avec Ivanana. 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 Qui va très vite face à Jules Aoka. Belle intervention de Kaoka Jules. À son tour qui a voulu chercher Winner Iboma. Malheureusement, il y avait cette très belle couverture de Numbisi Stéphane. Non, il se loupe. Iboma qui va effectuer cette entrée de jeu avec Makoko Kevin Bichekwa. Attention, Mavutoko. Mavutoko. Encore Ivanana. Quel retour énergétique à part de ce milieu de terrain. Kalonji.
Talon de Dieu, attention. Kalasu, Kalasu. Quel geste d'attaquant effectué par ce Kalasu. Quel geste magnifique. Ce rejet d'attaquant enfin rené à la surface. Tony Kalasu vient de fimbouliser la ferme en l'air ici. Ouverture du score ici à Massama d'abord. Après cette première action de Congolais, Tony Kalasu vient de fusiller le portier bord de jeu. Lui qui n'a pas été inquiété de plus vertueux de cette rencontre. Il vient d'ouvrir la marque ici pour la part de la RDC. Cameroun 0, RDC 1, Plaquesman, par le thème de match à part des Léopardos de la RDC. Et oui, quel geste d'attaquant de Nitalassi, lui qui était buteur lors de la Guinée équatoriale. Et là, ça lui a permis que 7 minutes de jeu, quel geste enchaînement de Nitalassi, quel but, tranquillement, un bon attaquant. Ouais, il a fait, il parmi cet après-midi au Léopard de mener ici un but à 0. 1 pour la RDC, 0 pour le Cameroun. Ce n'est pas encore fini, c'est juste le début du commencement. Attention, contre pour les Lions Indomptables. Un but de classe mondiale marqué par ce jeune Tony Kalasu, auteur d'un très beau but de jeu face à la Guinée équatoriale. Il va une fois de plus se rééditer l'exploit en marquant un but de poids de 35 mètres ici à Massama d'Abba. Fusion ainsi cette équipe camerounaise. Alors que le Clerco Cameroun, lui qui n'a jamais été mené durant le début de ce tournoi, le voilà une fois de plus, ils sont menés cette fois-ci. But inscrit tôt par ce jeune Tony Kalasu, marqué à la 16e minute sous une frappe fumant lointain. Le portier Changni n'a pu que constater les dégâts, alors que nous attendons désormais la réaction des Lions Indomptables du Cameroun. Tout à fait, les Lions Indomptables du Cameroun, c'est pour la première fois depuis le début de la compétition qu'ils sont menés. Oui, Tony Kalasu l'a fait. Alors là, on attend la réaction des Lions Indomptables du Cameroun. Le coach Gilles Boukassa, c'est très bien, il avait dit le match de foot est fini, ça c'est une finale, c'est une place à la CAN qui est là et qui va également rejoindre les Diables Rouges du Congo en finale de cette compétition. Il faut dire que ce jeune Tony Kalasu, sur cette terre des anges verts, promu en Ligue 1 nationale du côté de la RDC, vient de marquer son deuxième but de ce mini-tournoi après le premier but marqué face à l'Équato-Guinéen lors de la précédente journée. Le voilà une fois de plus, il vient donner le goût de cette rencontre, il vient de lancer complètement ce match. Il n'y a pas eu de rampe d'observation cet après-midi. La RDC montre déjà la voie aux Camerounais, la pression change de camp. C'est désormais aux Lions Indomptables d'aller chercher ce but égalisateur afin de rêver une éventuelle qualification. Mais en face, une équipe de RDC très déterminée, qui sait bien négocier les grands matchs, qui sait bien voyager, qui sait bien en face que c'est le Cameroun. Alors que là, nous sommes en train de voir l'entraîneur adjoint Gladys Bokossé qui est déjà debout afin de galvaniser ce troupe avec Winner Eboma qui veut carter Mavetou Koulouna. Ce point n'était pas Evina. Evina qui va chercher en profondeur. Attention avec Luna. Centre de la contrée. Balle captée par Ushindi qui applaudit énormément par le public ici à Massama d'Abba. Attention, Matobo, c'est peut-être la balle de 0, Matobo, non. Quel retour de Amzamed. Amzamed est allé jusqu'à la fin pour empêcher Matobo de doubler la mise pour le leopard de la RDC. Quel parti, homme. Quel contrôle. Je pense qu'il avait manqué son premier contrôle car il a eu deux rebonds. Et cela a profité au défenseur camerounais Amzamed de se venir et d'être premier sous la balle. Écoutez cette ambiance. Bétail et Toro. Le public qui nous a présent à Massama d'Abba qui s'entend de pousser le pardon de la RDC. Quelle image nous montre la régie. Très belle ambiance ici à Massama d'Abba. Brazzaville qui est en train d'accueillir cette compétition des jeunes. Cette grande messe du football africain des jeunes que Brazzaville est en train d'accueillir. Après la première qualification des Diables du Congo, nous sommes là sur cette deuxième qualification de la journée entre les Leopards de la RDC et les Lions Indomptables du Cameroun. Après 10 minutes, 11 minutes de jeu, la RDC mène déjà au marquoir sous la marque de 1-0. But inscrit très tôt par ce jeune Tony Kalasu sur une lourde frappe. Alors que là, c'est le voir l'ancien international Pius Ndiaye, entraîneur adjoint de cette formation camerounaise, qui est déjà debout car il ne comprend qu'est-ce qui se passe réellement avec cette nation camerounaise qui a été très bon, très imperturbable malheureusement. Attention Matobo qui a fait Matobo et coup franc, l'arbitre Abdelkarim qui revient sur la faute, coup franc juste à l'entrée de notre surface de réparation pour les Léopards de la RDC. Pierre Kesman, les Léopards qui ont décidé
qui sont vraiment très déterminés à montrer un grand jeu, car c'est une grande nation de football. En face, c'est deux grandes nations de football. Deux Coupes d'Afrique pour la RDC, quatre pour le Cameroun, c'est énorme. Ces deux nations pèsent énormément sur le circuit continental africain et sur les jeunes. Mais en face, c'est une en qualification cet après-midi. La mission est simple, c'est la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce jeune Ebra qui avait tenu promesse à sa famille de marquer une fois de plus et de qualifier la RDC à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui est en train de réussir son pari jusqu'à présent, alors que nous allons assister à ce coup franc qui va être tiré soit par Makoko, Bikewa, Bichekwa, Kevin ou encore Matobo Mabulu Ibrahim, sociétaire de l'Asvita Club de Kinshasa et de Zegle du Congo. Non, la balle sera laissée par Matobo Ibrahim Mabulu qui va s'en charger. Attention, c'est peut-être la balle du début à zéro pour les Leopards de l'air de ce Matobo. Matobo. Matobo qui avance doucement. Attention, Matobo. Que fait Matobo? Non, c'est le mur. La frappe de Matobo qui termine sa courte sur le mur. Nous pensons que les 24 communes de la RDC sont debout. Tous les 26 provinces de la RDC sont également présents pour suivre ce grand match qualificatif à la présente Coupe. La Coupe des Frères des Nations U20. Le match le plus important. Une finale qui aura, comme l'avait dit hier l'entraîneur Guy Boukassa, une finale, ça ne se joue pas, mais ça se gagne jusqu'à présent. L'avantage est pour ces Léopards de la RDC, Pierre Kezman. Oui, l'avantage est pour les Léopards de la RDC, 1-0 à 13 minutes de jeu. Il faut se dire que la RDC entre également d'appuyer sur les individualités. On l'a vu face là avec l'action de Tony Talassi, l'action sur le but. Quel geste, quel but marqué. On sent également la présence de Matoko partout dans le terrain, tout comme Matobo. Donc il faut se dire que non, il y a de l'individualité qui règne au sein de cette équipe de la RDC Congo. Exactement, là nous sommes en train de voir le joueur Merdi Palato sur la terrain gauche de Léopard de la RDC qui est pris au soin par cette équipe médicale. Car il faut dire qu'il faut éviter de sortir très tôt côté prématuré de la RDC, car il y a un groupe très réduit. Il n'y a que deux joueurs au banc de touche, dont un gardien de but. Donc un changement très matinal fera pas du bien au Leopardo de la RDC, alors qu'ils sont devant au marquoir après 14 minutes de jeu. 1-0 déjà pour cette nation de la RDC. Jusqu'à présent, si le match est arrivé à s'arrêter là, c'est une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de la part des Leopardo de la RDC. Plus de perdre que Mars, ce jeune va vite se relever. Et Ella Junior va effectuer ce coup franc côté camerounais. Coup franc gauche joué pour Ella Junior qui va chercher Dibrin Aruna. Encore Ella qui va lancer de la boîte pour Mata Angel. Attention. Eboma Winner. Eboma qui a voulu chercher Mukandila. Non, Mavutuku. Mavutuku va éviter la touche. Mavutuku, il va le mettre en vis de vue Matuku. Un coup franc. Le public qui monte, ce jeune Mavutu qui est en train de sortir du grand champ ici. Il faut dire qu'il est l'auteur d'un but spectaculaire face à la Guinée, qui lui qui était remplacé à Mavutuku est dans son match, car il fallait faire sortir cette énergie pour aller chercher cette balle et créer la faute. Mavutuku l'a fait, ce jeune Mavutuku, lui qui est volé du côté du DSMP, le dernier club monté Mapembe. Là nous sommes en train de voir l'entraîneur Guy Boukassa très tranquille, car il sait que la partie est loin d'être terminée. Et la Junior, coup franc pour les Lions d'Antam avec Etienne Macan. Etienne Macan qui va laisser cette balle à Bichekwa, non plutôt à Hamza Ahmed. Hamza Ahmed. Numbissi Stéphane. Numbissi. Non, la balle sera renvoyée par Kalonji Dieu. Encore Makoko. Numbissi face à Matobo. Touche sera pour les Leopards de la RDC. La touche pour les Leopards de la RDC. Mukandila Ferdinand. Mukandila qui va renvoyer cette balle. Attention, encore Tony Talassi. Cette fois-ci, le duel sera remporté par Ella Junior. Makoetienne. Maintenant on va chercher Dibrin Aruna. Attention avec Aruna. Très bonne sortie de balle à part de Ushindi Ike. Supporteur du cercle sportif d'Ambosco. De Lubumbashi. Lui qui est aussi en train de faire un très bon tournoi avec les Leopards de la RDC.
Hamza Ahmed. Hamza pour Farrell et Vina. Vina Farrell qui remet derrière pour Numbisi Stéphane et la Junior. Les Camerounais qui s'emballent bas, ils sont encore très tranquilles car ils savent qu'il faut se préparer, il faut préparer les actions pour surprendre cette équipe très déterminée en face de la RDC qui joue avec un bloc bas très intelligent avec des joueurs qui vont très vite en contre. Farrell Evina, mal perdu par Barvarel, récupération de Mavutuko. Aouka Jules qui va écarter du côté gauche pour Palato Merdi. Palato qui va chercher devant non, pour qui récupération camerounaise alors qu'il y a un joueur congolais qui est au sol. Joueur Jordan. Makoko Kevin. Makoko pour Kalonji Dieu qui va écarter trop à cette balle. Qui va filer droit en touche en faveur des Lyonzins de table du Cameroun. Pierre Kezman. Très belle rencontre que nous sommes en train de vivre ici à Massa Madeba entre la RDC et le Cameroun. Oui, une très belle rencontre en train d'assister ici au stade de face Massa Madeba. On sait également que la RDC défend très bien et ils sont avertis. Ils savaient que non, ils jouaient face au Cameroun, la meilleure attaque de la compétition. Donc il fallait chercher à galvaniser la défense et c'est ce qui s'est fait. On sent comment le Congolais défend très bien. Attention avec Yongo de la surface. Oui. C'est bien défendu de la part de Lukombe. Gilles Aouka qui vient de sauver son compte. Oui, Matobo. Attention, Eboma Winner qui a ce contre face à solide Hamza Ahmed. Il ne passera pas. Très belle intervention musculaire par de Hamza Ahmed. Adjo Jordan. Attention avec Djibril Haruna. La balle va être mise en touche à la part de Lukombe. Dieu merci. Face à Haruna Djibril. Ce jeune qui va énormément très vite. Buteur et passeur. Lors de la précédente rencontre des Lions d'Indap du Cameroun. Ce jeune Djibril Haruna, un joueur qu'il faudrait suivre de près. Qui peut faire mal à tout moment côté camerounais. Alors qu'il y a ce jeune qui est toujours au sol. Yeboma Winner, après son duel face à Hamza Ahmed. Il se tord de douleur. Il faut dire qu'il y aura de l'impact physique. Il faut de la mentalité. Départ de 22 acteurs. Car cela va se jouer dans les détails. Mais jusqu'à présent, les détails reçus au départ de la RDC qui sont déjà devant au marquoir sur ce but majestueux marqué par ce jeune Tony Talassi très tôt à la 7ème minute. Une lourde frappe de près de 34 mètres qui a trompé la vigilance du portier Bang Shangni. Il faut dire que, comme je l'avais dit, Pierre Kezman, le Cameroun n'était jamais inquiété. Depuis le début de ce minute tournoi ici à Massa Madeba, le Cameroun n'a jamais été mené, il n'a jamais été mené. Mais cet après-midi, le Cameroun est mené face à la RDC. C'est peut-être des signes qui montrent que le Cameroun est en danger. Tout à fait, le Cameroun est en danger. Car l'entraîneur Jules Boukassa l'avait bien dit. Ils avaient vu comment jouer face à cette équipe du Cameroun. Alors là, ils sont en train de défendre. Donc les Lions adoptables sont vraiment en danger. Car en face, les Léopards ne lâchent rien. On sent déjà avec la manière de défendre. Ils sont en train de défendre en bloc. Et surtout profiter par les individualités. Jouer sur les côtés. Et cette faute qui sera camerounaise. Alors que le latéral droit congolais, Ferdinand Mukandila, pensait que la faute était congolaise. Mais non, la faute sera camerounaise. Et nous allons lancer ce coup franc que va tirer Andua Jordan. Coup franc bien placé pour ce pied droit de Andua Jordan. Attention, car il y a de la présence au sein de cette surface de réparation avec ses défenseurs comme Numbisi Stéphane et Angel Wonjo. Attention, nous attendons le coup de sifflet de l'arbitre Abdelkarim. Avec Andua Jordan. Attention, non! La balle qui va être captée par Ushindike. Après cette tête magnifique de la part de Simon. Ce portier qui est resté imperturbable. Face à cette tête de ce jeune milieu de terrain camerounais. Gélian Simon. Dégagement de Ushindike. Oui, il y a une poussée de la part du latéral camerounais. Evina Farrell. Coup franc en faveur de le pardon de la RDC. Coup franc que va tirer Mukandila Ferdinand. Mukandila, longue balle de Mukandila. Tony Talassi. Oui, faute. Car cela se passe devant l'arbitre.
qui n'a pas réfléchi deux secondes pour accorder ce coup franc au Leopardo de la RDC. Et oui, coup franc mérité de la part des Leopards. On sent également de la tranquillité et de la confiance avec ce jeune Tony Talassé. Il a voulu tenter d'éliminer deux défenseurs des Lions Adaptables. Là, il bénéficie d'un coup franc très bien placé qui pourrait peut-être permettre aux Leopards de RDC de doubler la mise. Oui, surtout, il faut dire que ce Fimbu qui était caché, qui était très attendu à Massamba Déba, était sorti dans sa valisette lors de la précédente journée. Le voilà encore qui vient encore d'inaugurer cette rencontre avec ce Fimbu de Tony Talassi. Coup franc pour les Leopards de la RDC. Le coup franc qui va être tiré par Mavutuku Merdi. Attention avec ce pied droit de Mavutuku. Mavutuku qui avance, qui va faire Matuku. Non, c'est le meilleur Kamerna qui va envoyer cette balle. Palato Merdi. Le combé Dieu merci qui va écarter pour son portier Uchindi qui est bien pressé par Angel Wonjo. Encore un Numbisi Stéphane. Kalonji Aouka. Aouka Jules. Makoko Bichekwa Kevin. Makoko. Attention à l'arbitre qui arrête le jeu. Car il y a eu un jeu dangereux après ce duel entre Eboma Winner. L'arbitre qui fait vite appel à l'équipe médicale. Il y a de l'impact physique sur l'air de jeu. C'est une défenseur qui est vite prise au soin par l'équipe médicale camerounaise. Et Numbisi qui va vite se relever. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre Abdelkarim va... oui, il va revoir la balle. Peut-être qu'il va remettre l'enjeu du côté, oui. Et pour les Leopards de RDC. Avec Palato. L'arbre de Palato. Hamza Ahmed. Matobo. Matobo va écarter pour Tony Talassi. Tony Talassi. Talassi Tony. Face à Ella Junior. Tony Talassi. Face à Ella, le capitaine de Lions Adaptables du Cameroun. Que dit l'arbitre? Oui, corner. Corner côté gauche pour le Leopard de la RDC. Mais quel match énorme est en train de réaliser ce jeune Tony Talassi. Il faut dire que ce stade cet après-midi est rempli de recruteurs, surtout des supporters. Donc c'est à ce jeune de vendre leur talent. Corner pour le Leopard de la RDC. Corner que va tirer à la remoise Makoko. Matobo. Non, l'arbitre laisse l'avantage alors que ce contrôle extérieur de Matobo avait déjà éliminé son défenseur. La balle reste camerounaise. Numbisi Stéphane. Makon Etienne. Makon. Makon qui a gagné du terrain, qui va écarter pour Ella Junior. Ella. Ella Junior. Balle récupérée cette fois-ci par Makoko Kevin. Makoko Bichekwa, Tony Talassi. Mauvaise passe de Tony Gédéon Simon qui remet derrière pour Numbisi Stéphane. Stéphane Numbisi. Numbisi, quelle passe qui casse les nids et va trouver Wonjo Angel. Attention Wonjo. 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 Wonjo Angel. Non. Que dit l'arbitre? Oui. Simulation. La part de Wonjo Mata Angel qui va obtenir un carton jaune bête. Lui qui pensait que l'arbitre devait lui accorder un penalty. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Simulation et carton jaune, d'où la frustration de Pius Ndefi qui n'est pas du tout content du geste de son attaquant alors qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Uchindi, l'engagement de Uchindi. Déviation de Eboma Winner. Il est à Junior. Il a Hamza Ahmed. Encore Makoko Bichekwa Kevin qui va écarter pour Matobo. Matobo, Matobo, Kelim Sanzevi, Matobo, Matobo, centre de Matobo. Eboma Winner! Heureusement! Heureusement, cette tête de Eboma Winner, lui qui était déjà au sol, est allé droit dans les mains de portier Banga Chengni.
Quelle action magnifique de ce jeune Matobo Ibrahim. Et oui, Matobo Ibrahim. Quelle action, quel enchaînement rapide. On vous avait dit du côté des Congolais, il fallait se méfier car il y a un divergentisme qui existe. Regardez ce qu'elle vient de réaliser, ce jeune Matobo. Et surtout la tête bien placée de Eboma Winner. Il faut se dire que ce jeune Eboma Winner également, beaucoup attendu. Peut-être aujourd'hui, il va délivrer. Angel, c'est la barre transversale. C'est la barre transversale qui sort de la part de l'RDC. Alors qu'il est le vis-à-vis face à Ushindi. Malheureusement, cette lourde frappe de Angel Wadjo va finir sa course sous la barre transversale de Ushindi. Le Cameroun qui est passé à côté de l'égalisation. Quelle action manquée par de Angel Wadjo. Alors qu'il y a eu un cap sur sa défense. Angel Wadjo, la frappe de Angel Wadjo qui a terminé sa course de barre transversale. Première alerte côté camerounais. Quelle action. Alors qu'il y a eu un genre de jeu dangereux. Qui aura ce carton. Qui va obtenir ce carton jaune. Et c'est Simon Gédéon qui va obtenir le deuxième carton jaune côté camerounais. Après le carton jaune de Angel Wanjo. Nous allons revivre cette action. Quelle incompréhension de cette charnière centrale. Alors qu'il s'est retrouvé seul face à Ushindi. Maintenant, la frappeur du pied gauche de Angel Wanjo va terminer sa course sur la barre transversale de Ushindi. Oui, faute pour Tony Talassi, Pierre Kesman. La RDC s'est fait peur. Malheureusement, la barre transversale a évité le pire au départ de la RDC. Et oui, la barre transversale qui a sauvé le lopard de la RDC. Surtout, il y a eu des hésitations de la part du défenseur Jack Alonji qui devait vraiment en profiter pour Angel Onjo. Malgré la barre transversale qui a eu à sauver cette équipe, rien n'est encore terminé ici. Le stade Alphonse Massamba débat. Attention, il y a faute sur Haruna. Et Palato qui vient de commettre une faute sur Haruna. Haruna également qui est quelqu'un qui en doit 15 car il comptabilise 2 buts sur cette compétition. S'il marque là, il pourrait rejoindre le meilleur de la compétition qui est Bonaventure Lindambi. Exactement, ce jeune Haruna qui est en train de réaliser aussi un très grand tournoi. Tout comme Dorinel Wanjo Mata Angel. Côté camerounais, ces deux jeunes joueurs ont su se démarquer. Ils ont su se faire un grand nombre de tournoi en faisant des très grandes prestations XXX. Qui est d'ailleurs au sol. Ce jeune qui est entouré par ses coéquipiers. Après ce télescopage avec Merdi Palato. Ce jeune attaquant camerounais, Djibril Haruna qui est toujours au sol. Il y aura sûrement un carton jaune côté congolais. L'arbitre Abdelkarim, après avoir venu aux visiteurs de Djibril Haruna, va aller donner un carton jaune aux congolais. Qui pour l'obtenir, oui, Merdi Palato va obtenir son tout premier carton jaune de la partie. Après cette grosse faute sur Djibril Haruna. Il faut dire qu'il y aura beaucoup de cartons jaunes cet après-midi. Car il y a de l'impact physique, il y a de l'engagement énorme. Cette rencontre, il faut être mentalement fort, bien aguerri pour jouer ce genre de match. Il faut dire que les Camerounais ont ce qu'on appelle du côté de Yamde Douala. Dans tout Cameroun, le MLE, l'esprit de vaincre, l'esprit d'aller jusqu'au fond, d'aller chercher la victoire, quelles que soient les difficultés. Attention à Djibril Haruna qui est face à son vis-à-vis. Djibril Haruna. Non, attention à Ivanana, frappé de Nana contre Lukombe Dieu, merci, va écarter cette balle à Soto. Matobo Ibrahim. Attention Matobo, lui qui a été percuté par Hamza Ahmed, Numbisi, Marco Etienne, et la junior. Et là, qui va chercher devant. La balle va terminer par Jules Aouka. Lukombe Dieu, merci. Le dégagement de Lukombe. La balle va filer droit en touche en faveur des Lions d'Attaque du Cameroun. Attention, la pression qui change de camp. Et la junior. Et la junior qui va remettre pour Hamza Ahmed. Hamza. Numbisi Stéphane. Numbisi. Non, Jules Aouka la récupération. Matobo. Qui va chercher Mavutuku. Attention Mavutuku, est-ce qu'il aura cette balle? Oui, Mavutuku. Face à Numbisi Stéphane, que fait Mavutuku? Mavutuku comme ça, vous avez vu Mavutuku en surface. Pour Kakoro, non. Mauvaise passe. Lourde frappe de Jules Aouka. Ça passe à côté. La frappe de Jules Aouka, ça passe à côté. Alors qu'il y a eu un manque de transmission.
lui qui voulait servir Makoko Bichekwa. Ça va très vite cette fois-ci avec Ivan Nana. Ivan Nana. Face à Mokan de la Verdina, non. Très bon retour de Aoka Jules. Jules Simon, Adjoa. Attention, Djuba Ouna. Kadila but. Penalty et carton. Quelle couleur de ce carton. Kayaou, main côté congolais. Attention. La couleur du carton est déjà amère. Carton rouge. Carton rouge pour Kalandi Joe. Carton rouge pour Kalandi. Quelle passe lumineuse de Adjoa Junior sur Djuba Ouna. Oui. Il y a eu main de Kalandi Joe. Car cette balle de Djuba Ouna filait droit dans les cages de Ushinike. L'arbitre Tchadien n'a pas hésité à accorder le point de penalty et a sorti le carton rouge. Mais de quelle couleur? De couleur de la chance du chanteur camerounaise, car le carton rouge. RDC qui va devoir terminer cette rencontre à 10 après cette expulsion de Kalandi Joe. Nous allons revoir cette action. Quelle passe lumineuse de Adjoa sur Djuba Ouna qui a fusillé le portier. Non, oui. Un carton rouge indiscutable. La part de Kalandi Joe. Merci à la régie. Chapeauté par Ajax Mbemba et Farid Abandouzi pour revoir ces très belles images. Et ce dernier, Angelo Matin Dorinel Wonjo, va se faire justice. Duel face à face énorme entre Angelo Wonjo et Ushindi Ike. Quelle passe lumineuse! Quelle passe de Andrew Jordan! Alors là, il faut dire aussi la tranquillité et l'intelligence de Djibril Haruna qui n'a pas réfléchi à rouler et à ouvrir son pied gauche. Ce n'est pas encore fait. Il faut suivre ce face à face qui l'emportera entre Angel Wonjo et Ushindike. L'adrénaline monte ici à Massa Madeba. Les armes sensibles devaient s'obtenir. Cette action est interdite au cardiaque. Attention. Angel Wonjo qui avance. Angel Wonjo. Wonjo. Égalisation de Angel Wonjo qui remet les Lions d'Étape sous la course. Un but partout désormais entre les Lions d'Étape du Cameroun et l'RDC. Pekezwan. Ils étaient menés. Le Camerounais vient de revenir sur la pub de Marania après ce penalty marqué par Angel Dorinel Wonjo. RDC 1 désormais, Cameroun 1. Et oui, le compteur repose 0, un but partout, Angel Wonjo qui vient d'égaliser pour les Lions adaptables. Un pour la RDC, un pour le Cameroun. Alors vu leur mama d'officier offensif, ouais, on devait s'attendre également au but de jeu de l'adaptable. Là, le match vient de basculer à 34 minutes de jeu, un but partout. Le Léopard qui va devoir se défendre à 10, un coup dur pour l'entraîneur Jules Boukassa. Oui, Kazman, la tâche s'annonce très très difficile. Pour le pardon de l'RDC, car il y avait en face l'un des meilleurs joueurs de ce tournoi, il faut le dire. Ce jeune est l'un des meilleurs joueurs de ce tournoi qui vient de signer sa deuxième réalisation après le but marqué face aux République sud-africaine. Angel Wonjo vient de fusiller le portier Ushindi Ike, remettant ainsi les Lions indomptables à la marque désormais. Un but partout entre la RDC et le Cameroun. Très bonne réponse, alors que la RDC devra faire à 10 après l'inscription de Kalandi Joe. Le Cameroun qui devait peut-être appuyer sur l'accélérateur. Je vous l'avais dit qu'il fallait se méfier de ce jeune Haruna Djibril. Lui et Angel Wonjo, ce sont les deux poisons de cette attaque camerounaise. Et ils étaient à l'origine de cette action avant le penalty qui va être transformé par Angel Wonjo. Lui qui était déjà meilleur joueur du dernier tournoi de l'UNIFAC U17. Et le voilà encore. Vient de se faire remarquer, mais de la plus belle manière. Après le poteau, il vient de te récompenser. Loulou Fabien Noubissi. Non. Cette fois-ci, la frappe de Noubissi Stéphane sera captée net par Ushindi Ike. Pekezwan, belle affiche. Et la partie est loin d'être terminée ici à Massa Madeba. Oui, la partie est loin d'être terminée. Les Lions adaptables qui s'installent maintenant dans le camp adverse. Ils ont très vraiment de mettre en difficulté les Léopards de la RDC. Les Léopards qui vont devoir subir. Car déjà vu le début de la rencontre, on avait senti les Léopards avaient misé sur la défense et on a profité pour le contre-attaque. Mais là, ils vont devoir maintenant changer de stratégie. Le coach Jules Boukassa est vraiment bien informé, car en face, c'est les Lions adaptables, l'une des meilleures équipes de la compétition.
Oui, un match interdit au cardiaque. Il faut avoir des nerfs solides pour voir ce genre de rencontre où le Cameroun qui a été dominé les 15 premières minutes et ce but à la scie qui avait un peu de foudre les Camerounais. Malheureusement, le MLE côté Cameroun a réagi car c'est une nation qui n'indique pas, une nation qui joue à fond. Ils ont été récompensés par ce penalty transformé par Angel Wonjo. Les Camerounais qui ont désormais un esprit d'aller chercher cette victoire. Surtout l'aspect psychologique qui change de camp car le mental va être vraiment au rendez-vous pour cette belle affiche ici entre les Lions du Cameroun et le Parc de la RDC. Faute pour les Camerounais. Simon, Macron Etienne. Macron Etienne, long bas de Macron qui va vite chercher. Et la Junior. Attention, Palato. Non, Ushindi ne pourra pas éviter ce corner. Corner côté Camerounais. Corner obtenu par Ella Junior. Et qui va tirer ce coup franc, c'est sûrement Djibrin Aruna. Ce jeune Djibrin, très très dangereux du côté droit. Très remuant. Aruna Djibrin. Corner Djibrin au premier poteau. Ballon renvoyé par Eboma Winner. Ivanana. Qui rejoue derrière plutôt. Evina Farrell pour Bancheni. Encore Evina. Evina Farrell, lui qui vient de Zene, qui va remettre pour Numbisi Stéphane. Numbisi. Jidon Simon, Ivanana. Ivanana pour Angel Wonjo. Attention, attention, attention. Heureusement, corner. Corner côté Camerounais. L'adrénaline monte. Ivanana qui a pris à contre-pied cette défense congolaise va néanmoins bénéficier de ce corner. Le Cameroun qui pousse. Angel Jordan, non, la tête de Marco Etienne va passer loin des cages gardées par Ushindi que Plaquezman. Le Cameroun qui a compris qu'ils sont en supériorité numérique, il faut pousser afin d'aller chercher ce deuxième but qui va les mettre à l'aise avant la pause. Alors que le bon de touche camerounais qui est un peu détendu entre jeune Noah Afin qui est en train de pousser ses coéquipiers. Kezman, la tâche est compliquée déjà avec cet effectif très réduit côté de la RDC et un carton rouge qui vient de compliquer encore les choses côté Léopard. La RDC va devoir faire avec 10 joueurs pendant près de 75 minutes face à cette meilleure attaque de la compétition qui vient de marquer leur 8e but après 3 matchs côté Lions d'étape du Cameroun. Et oui, la chose qui sera très difficile pour le Léopard de la RDC car en face c'est le Cameroun, la meilleure attaque de la compétition, l'une des meilleures équipes de cette compétition, déjà joué à 10 face à cette équipe. Et de surcroît, cette équipe a des attaquants qui vont très vite avec la balle. Ça serait très compliqué pour le Léopard. Déjà là, la balle est en train de fonctionner du côté des Camerounais. Le Léopard de la RDC n'arrive plus. Mais il faut aussi signaler du côté camerounais. Quel match également qu'il est en train de réaliser. Carton jaune. Carton jaune pour Matobo Ibrahim. Attention, il ne faut pas s'affoler car la RDC est déjà à 10. Il faut éviter de prendre plusieurs cartons car cela peut mal tourner au vinaigre. La balle est côté camerounaise. Non, la faute sera rejouée. Qui du Cameroun et de la RDC va obtenir ce deuxième ticket qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20 alors qu'il y a un ticket déjà qui a été validé par les Diabrous du Congo après leur victoire face à au faveur du Paso Bangui de la République centrafricaine, 2-0. Le combat Dieu merci. Hamza Ahmed. Hamza pour Ella Junior. Ella. Ella qui va chercher Djibrin, non, pas pour longtemps. Touche camerounaise. Attention avec Ella. Ella. Andjoa Jordan. Andjoa qui écarte pour Aruna Djibrin. Aruna Djibrin, le virivolte attaquant camerounais. Aruna, centre de Marco Etienne. Ballon renvoyé cette fois-ci par Aouka Jules. Mvutuku. Quel but. Oui, la faute sera camerounaise. Très belle affiche. Un match d'homme dans la faute, dans la frustration du bande congolais. Vous êtes en train de le voir, on met en image l'entraîneur Gladys Bokosé. Marco Etienne. Marco. Ivanana.
Attention, Mofutuku, encore Makamba Koni Echen, Aruna Dubois, non. Entre touche côté camerounaise avec Ella Junior, touche vite effectué. Aruna Dubois, Aruna Kemsov, Aruna, malheureusement, la balle va filer en 5m50. Ce jeune est un poison, ce jeune Aruna, un vrai poison côté camerounais, un vrai attaquant, un jeune prometteur du côté camerounais. Ce jeune Aruna Dubois, ce jeune lui qui évolue du côté de AS Fortuna, club de première division Elite One camerounaise. En dégagement de Ushindike et la Junior. Et la balle renvoyée par Mavu Mukandila Ferdinand. Touche congolaise qui va être effectuée par ce jeune Merdi Palato. Vous voyez en image ce jeune Aruna Dubois, un vrai poison. Alors que ça discute encore, l'arbitre devait être à la hauteur de cette rencontre, surtout être un vrai pédagogue. Question de calmer car les nerfs sont solides ici à Massa Madeba. Il y a de la nervosité de part et d'autre. Ça discute même dans le bord de touche entre le staff congolais et le quatrième arbitre. Car le staff congolais n'est pas du tout content de la prestation de l'arbitre tchadien. Merdi Palato qui va trouver Mavutuku. Va le récupérer par Mathieu Etienneko. Andjo Jordan pour Aruna Dubois. Attention Aruna. Aruna face à Lukombe. Aruna qui me sort de Aruna. Non. Corner. Alors que Dupin Aruna reclamait ce tirage de maillot. Mais l'arbitre a validé le corner. Corner côté camerounais. Quel poison ce jeune Aruna Dubois. Corner qui va être tiré par Andjo Jordan. Andjo Jordan qui va avancer pour tirer ce corner. Andjo Jordan qui a été camerounaise. Ballon envoyé. Encore Ella Junior. Et là, qui va laisser la touche. La touche pour les leaders de table du Cameroun. Ella Junior qui attend toujours du soutien. Oui, il va jouer avec Andjo Jordan. Andjo Jordan. La touche reste camerounaise, il faut le dire. Et la Junior, attention, Andjo Jordan, frappe de Andjo. Quel arrêt de Ushindike. Quel arrêt magnifique. Après cette frappe écrasée de Andjo Jordan, le portier était vite au premier pour mon poteau pour mettre cette balle en corner. Les Camerounais poussent, les RDC est en train de souffrir. Quel péril pour les Leopards de la RDC. Alors que nous sommes à une minute de la fin de cette première partie entre le Leopard de l'RDC et les Lions sans notable du Cameroun. Un but partout toujours. Andjo Jordan. Alors envoyé par Lukombe, Dieu merci. Simeon Gillian. Andjo Jordan. Andjo. Qui résiste. Andjo. Et heureusement, il y avait ce retour de Mavutuku. Le Cameroun qui pousse. La RDC qui est en train de subir. Mais il faut tenir. Kalia, nous sommes déjà à la fin de cette première partie. Nous attendons le temps additionnel pour savoir il y a combat joué. Mais ce monstre de Andjo Jordan, infatigable sur notre jeu. Andjo Jordan. Non. Est-ce qu'il y aura corner encore? Oui. Un troisième corner de suite. Côté camerounais. Alors que Andjo Jordan, ça fait mal. Cette fois-ci, le corner sera tiré par Ivanana. Ivanana remet avec Andjo Jordan. Andjo Jordan qui renvoie la balle. Attention! La tête de Ella Junior qui passe à côté. La balle a été captée net par Ushindike Pakesman. La RDC qui est en train de soupirer les assauts des Lions de table du Cameroun. La RDC est en train de souffrir. Les Leopards n'y arrivent pas car les Lions de table sont en train de contrôler la partie. Attention! Ella Junior. Et là qui sert Aruna. Aruna, qu'est-ce qu'il fait Aruna? Aruna qui est coincé par Matoko. C'est pas fini. Attention, Ahmed. Ahmed qui joue avec Ivan. La balle est toujours pour les Lions adaptables. Ivanana qui est servi. Ivanana. Qu'est-ce qu'il fait Ivanana? Attention, le Leopard est fait attention. La balle est toujours côté camerounais. La centre de Ivanana. La tête de Aruna. Qu'est-ce qu'il nous tente de montrer les Lions adaptables? Voilà ce senti. Quel travail de la part de Ivanana. Le centre bien centré de Ivanana qui a trouvé la tête du jeune Aruna. Aruna n'a pas pu
cadrer vraiment sa tête. Le Léopard qui est en train vraiment de subir à quelques minutes de la fin de la première partie. Mais il faudra que les Lions de Ottawa reçoivent vite à doubler la mise s'ils ne veulent pas regretter toutes ces actions manquées. Car le football est si cruel. Le football, c'est du réalisme. La meilleure équipe risquera de l'emporter et les Lions risqueront de regretter toutes ces actions manquées. Attention, tenez à la suite. Dégagement de Nubis et Stéphane. Nubis. La balle va être mise en touche par Mukantila Ferdinand. La touche vite va être effectuée par Gideon Simo. Gideon Simo. Non, plutôt Ivan Nana qui va retrouver Gideon Simo. Nubis Stéphane. La balle de Nubis Zidane qui va chercher Haruna Dubois. Très bon contrôle de Haruna Dubois. Et la Junior. Et là. Pour Marco Etienne. Oui, faute de Marco Etienne. Bien vu la part de l'arbitre Abdelkarim. Et le parquet s'est en train de subir les assauts camerounais. C'est la pause ici à Massamba Déba. En but partout entre la RDC et le Cameroun. Une première partie de haute intensité. De nerfs solides entre deux nations. Alors que les Léopards ont été les premiers avec la marque très tôt par Tony Talassi. Les Camerounais ont eu le mot juste pour revenir la marque, juste par cette entremise de jeu sur ce penalty inscrit par Wanjo Angel. Un but partout qui sanctionne le score de cette première partie. Pierre Kelsman, très belle rencontre, très bon 45 minutes entre les deux nations. Oui, une très belle rencontre. On voit là la discussion entre la Junior et ses coéquipiers. Les Lions adoptables qui ont dominé la partie. Ici, ils ont mérité vraiment. Alors le Léopard devrait se méfier de cette équipe. Le coach Gilles devra réfléchir, savoir comment bloquer vraiment cette armade offensive des Lions adoptables. La pause va permettre aux deux équipes de prendre vraiment les positions pour entamer la deuxième partie. Oui, Pierre Kelsman, nous avons vu une très bonne première partie. Je pense que les internautes et téléspectateurs, surtout le public présent ici à Massamba Déba, n'ont pas été dessus de cette première opposition entre les Lions adoptables du Cameroun et le Léopard de la RDC. Quant à nous, nous allons un peu souffler et laisser l'énergie nous montrer les belles actions de cette première partie.
au football qui est fait de jouer les fétiches. Au petit fétiche. C'est quoi ça? Ils ont jeté dans le poteau là-bas. Non mais ne répondez pas. Ne répondez pas. Ne jouez pas ça. Ne répondez pas. Non, ne répondez pas. Sinon, on devait déjà gagner un coup de monde. Oui, même les Béninois le gagnent. Voilà, les Béninois devaient gagner. Non, c'est n'importe quoi. Faut pas, ne vous mettez pas dans ça. Oui, chers amis sportifs, nous sommes déjà ici de retour pour ce dernier 45 de cette rencontre entre les Léopards de la RDC et les Lions Indomptables du Cameroun. Où nous assistons très bientôt à deux changements qui vont être effectués côté Lyonceau, avec les arrivées de Foumou Adrien, lui qui était toujours titulaire au sein de cette formation des Lions Indomptables du Cameroun, et de Laurent Essunga Elounou. Donc nous allons savoir lesquels vont céder leur place à Elounou et Foumou Adrien. Alors que les 22 acteurs sont déjà sous l'air de jeu. Et l'arbitre Abdelkarim Ousmane qui est en train de constater cela. De Gédéon Simon qui fait cette sa place à Elounou. Également sortie de Ivan Anna qui vient céder sa place à Foumou Adrien. Et c'est parti pour les dernières 45 minutes de cette belle affiche ici à Massamba Déba entre les Lions d'étape du Cameroun et le Pardo de la RDC. Le score est de 1 but partout. Nous venons là d'assister à une très belle première partie électrique, mouvementé, très solide entre la RDC et le Cameroun. Alors que il y a une place à prendre, une place pour la Coupe d'Afrique qui va se jouer à l'issue de ces dernières 45 minutes ici à Massamba Déba entre les Lionceaux du Cameroun et le Lepardo de la RDC. Pierre Kesman, les deux entraîneurs ont eu à tenir sûrement un bon discours, un discours pointu pour les deux nations, surtout pour la RDC qui va devoir terminer cette rencontre à 10 face à cette solide attaque et surtout très efficace équipe camerounaise qui a déjà 8 buts à son actif. Tout à fait, la RDC qui va devoir terminer cette rencontre à 10. Les Léopards qui ont fini déjà la première partie sous une forte pression de la part des Lions Indomptables doivent vraiment revenir très fort. Alors si on essaie de se rappeler en arrière, on doit comprendre que les Léopards ont toujours tendance à bien jouer lors de la seconde partie. Alors on se pose la question, est-ce que ça sera le cas pour ces matchs, car là ils sont à 10 lors du match face au Congo Brazzaville. Les Léopards ont eu à faire une très bonne deuxième partie lors de la match du match. Ah, Mavoutoukou, Mavoutoukou. Heureusement, il est stoppé par Numbissi Stéphane de son élan. Et oui, tout à fait. Attention, les Léopards toujours à l'offensif. Entre le toucher pour les Léopards avec Moukandila Ferdinand. Moukandila. Et corner. Premier corner pour les Léopards de seconde partie ici à Massamba Déba. Léopard qui évolue à 10 depuis la première partie après la suspension de Kalandi Dieu
Ce corner sortant qui va être tiré par Makoko Bichekwa Kevin. Saison chaussetteur de l'Azvita Club de Kinshasa. Makoko. Attention à Palato, non. Mavutoko. Mavutoko. Aoka Jules. Aoka. Attention avec Andrew Jordan qui va lancer, non. Très bonne défense de Mukandila Ferdinand. Oui, faute. Faute sur Makoko Bichekwa Kevin. Faute de Fumo Adrien. Et l'arbitre Abdelkarim Ousmane qui va demander à ce jeune de mettre la balle à la faute, la place là où il était. À nouveau, on est aux images. Ce jeune Makoko Bichekwa Kevin. Makoko qui attend le coup de sifflet de l'arbitre Abdelkarim. Cela va arriver, Makoko. En bas de Makoko qui va chercher Matobo Senghor pour tout sûrement. Ballon renvoyé par Evina Farrell. Palato, centre complètement manqué. La balle toujours dans les pieds de Congo là-bas, Matoukou. Makoko. Makoko. Kim son vis-à-vis qui va servir, non. Palato Merdi. Quelle très belle affiche que nous sommes entre vieux. Issa Massoma Déba. Et bon, faute de l'arbitre. Faute. Estime l'arbitre Abdelkarim Ousmane. Faute de Boma Winner sur Hamza Moussa. Hamza Ahmed. Talassi. Talassi. Non. Sorti en touche en faveur de London étape du Cameroun. Pierre Kelsman. Et oui, le Léopard qui est en train vraiment de chercher à enquêter la défense camerounaise. On doit toujours se rappeler que les Léopards sont à 10. Il devra peut-être utiliser les individualités car ils ont des joueurs capables d'aller créer la différence à n'importe quel moment. On voit déjà l'image de Julo Aouka qui est obligé de revenir en arrière pour jouer comme axe central avec Lukombo. La balle est pour les Léopards avec les portiers. Lui qui cherche. Non, pas de danger pour les Camerounais. Junior est là qui met la balle en touche. La balle serait pour les Léopards. Palato. Palato qui a déjà un carton jaune, qui n'a pas droit encore à l'erreur. Attention, Winner et Boma. Oui, la balle est toujours pour les Léopards avec Winner. Winner et Boma, non. Balle mal jouée de la part de Winner qui voulait chercher Matobo. Attention, contre des Camerounais. Oui, ce contre qui va être mené par Aruna Djibra. Aruna face à Lukombe, Dieu merci. Non, la défense congolaise était présente. Avec Mavutoukou Berdi qui va éviter le corner. Bon dégagement de Mavutoukou. Iboma Winner. Iboma. Faute à l'arbitre, laisse l'avantage. L'angba de Jules Aouka qui voulait trouver un peu moins attention à Matobo. Matobo face à Ella Junior. Matobo. Matobo. Va provoquer son vis-à-vis Matobo, centre Matobo contré, corner. Deuxième corner de cette partie pour les Léopards. Matobo qui demande au public de se lever. Alors qu'ils sont à 10 ici à Massa Maneva face au Lion de table du Cameroun. Deuxième corner. Merci. Aouka Jules. La tête d'Aouka. La balle sera captée par Bang Chani. Faute. Faute de Mako. Mako Etienne sur Mavutoukou. Et carton jaune pour Mako Etienne. Après cette grosse faute sur Mavutoukou Merdi. Coup franc pour la RDC. Langba tiré par Jules Aouka qui va chercher Matobo. Matobo face à Ella. Matobo, centre de Matobo. Attention au second poteau, il y a Talassi Tony. Est-ce qu'il aura cette balle? Non. Sortant toujours pour les dans un étape du Cameroun. Touche qui va être vite effectué par Evina. Non, l'arbitre qui demande
au latéral camerounais de se positionner. Nobissé Stéphane. Nobissé. Nangba de Stéphane Nobissé. Qui va chercher Djibo Aouna. Plutôt Ivanana. Ivanana. Ivanana qui me sauve. Ivanana. Qui va faire Ivanana. Centre. Centre complètement manqué. Il faut dire qu'après les montées de Foumou Adrien et Ivanana. Non plutôt. Et Loulou. Nous constaterons que cette équipe est passée en 4-4-2. Il vient de laisser son 4-3-3 classique pour passer en 4-4-2 avec deux pointés, deux avant-centres, notamment Wonjo Angel et Aruna Djibran. Etienne Maka. Julaoka plutôt Palato. Et la junior. Et là pour Jules Aoka. Aoka qui retrouve Lukombe, Dieu merci. Dieu merci Lukombe. À son tour qui voulait chercher Matobo. Non. Faute contre Matobo Ibrahim. Sur Ella Junior. Et bon, ma winner. Hamza Ahmed. Ella Junior. Encore Hamza. Hamza Ahmed. Nombissé Stéphane. Qui va écarter du côté gauche pour Evina. Elono. 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 Qui ne pourra pas résister à la charge de Tony Talassi. Et l'arbitre accorde un coup franc en faveur des Lions en étape du Cameroun. Coup franc côté gauche. Que va tirer ce pied gauche également de Farrell Evina. Farrell Evina. Ce jeune sociétaire de Eddingsport. Alors envoyé par Jules Aouka. Encore Farrell Evina. Bien pressé par Tony Talassi. Récupération de Hamza Ahmed. Hamza Ahmed. Langba de Hamza. Non. La balle qui avait touché le dos de l'arbitre Abdelkarim Ousmane. La partie est reprise ici à Massouma Deba avec Nombissé Stéphane. Nombissé, longue balle de Nombissé. La balle va droit dans les pieds du portier Ushindi Ike. Nous jouons déjà la 55e de jeu. Toujours un but partout entre les Lions et notables du Cameroun. Et le leopard de la RDC, Pierre Kezman. La partie qui baisse un peu en intensité. Et oui, ça c'est les derniers quarts de match. Les leopards qui n'a que vraiment se donner jusqu'au fond pour aller chercher la qualification, tout comme pour les Lions adoptables. On a senti également qu'il y a eu des consignes données dans le vestiaire, car au retour des vestiaires, les 22 acteurs se sont mobilisés. Oui, quelle bonne défense de la part des Parato. Attention, récupération de Lopard avec Matebo. C'est pas fini. Jilaouka, non, c'est plutôt Winner et Boma qui est venu vraiment chercher à prendre la balle. Maintenant, quelle bonne défense de la part de Hamza. Avec Ella Junior, c'est reparti. Attention, pas se manquer de la part de Ella Junior. La balle sera pour les Congolais. Les portiers, ou je dis le pont rapidement. Dans les pieds de Eluna. Quelle récupération énergétique. Oui, faute. Ce jeune Mafutuku Merdi
qui est en train de réaliser encore un très grand match. Oui, il se tord de douleur après son accrochage et Lounou. C'est reparti, côté Léopard, Tony Talassi. Tony face à Evina. Ballon envoyé cette fois-ci par Fumo Adrien, encore Palato. Mondio Angel. Mondio Angel qui va écarter du côté droit pour Aruna Dibrin. Attention Aruna. On a qui va changer de couleur. Pour qui Evina. Mondio Angel. Angel Mondio. Mondio qui a voulu trouver un premier sur Tosa Djibra. Aruna, non ! Quelle reprise ! Quel demi-volée de Aruna Djibra qui va passer loin des cages gardé par Uchindi. Alors que ce genre d'action au rugby, c'est des pénalités, Pierre Kezman. Tout à fait, c'est des pénalités en rugby, mais là, on est au football. Mais c'est bien joué, c'est bien joué de la part des Camerounais. Ça soit également de la complicité au niveau de l'attaque des Lions de Top Tab. Oui, l'accent manqué de Wonjo Angel. Et ce portier Uchindi qui est très confiant va effectuer ce long dégagement pour le Léopard de RDC, Tony Talassi. Et voilà, on va par Evina Farrell. Encore au candidat Ferdinand. Talassi Tony. Talassi. Dans la touche sera camerounaise. Evina. Numbi c'est Stéphane. Stéphane Mbissi qui gagne de l'espace car en face c'est une équipe de la RDC qui évolue à 10 depuis la 36e minute. Aruna Djibra. Non. Et la junior n'aura pas cette balle et la touche sera congolaise. Il va être effectué par Berdi Palato. Là nous voyons les images. L'entraîneur Gibou Kassa. Une image de très guerrier. Car il y a 11 Komoto, ils étaient à 11 au départ. Ils sont désormais à 11 commandos côté de la RDC pour terminer cette rencontre. Merci à la régie car nous sommes en train de voir ces deux jeunes joueurs et jeunes Udumbo. Au bon de touche congolais, Tony Talassi. Tony Talassi qui va essayer de mener ce contre à 4 contre 4. Tony Talassi qui a voulu chercher en profondeur. Matobo, malheureusement, l'arbitre va revenir sur la faute commise sur Tony Talassi. On voit cette discussion entre Pius Ndefi et le jeune sélectionneur des Lions, Ivan Kelmoe. On a l'opportunité d'écouter un peu ce qu'il dit. Tout comme nos internautes et encore testateurs, car ils demandent à Aruna de passer sur les côtés, Pierre Kezman. Oui, tout à fait, c'était bien réfléchi, car Aruna est vraiment performant quand il est sur le coin et ce n'est pas là où ils ont mis sous l'axe. Sinon, ce jeune Aruna, très talentueux, peut créer la différence à n'importe quel moment, mais il est mieux placé quand il est sur le côté que là où ils ont mis en association avec Anjo dans l'attaque. Sinon, là, coup franc, pas de danger pour les Camerounais. Oui, lourde frappe, malheureusement. Le portier Bangchenou du Cameroun était sur la trajectoire de la balle. Mboussi. Donc, bas de Mboussi. Donc, contre-lance pour Wonjo Angel. Wonjo. Qui est carte pour Eluna. Eluna face à Merdi Palato. Pour tout Moukandila. Non, c'est c'est le petit filet que le centre de Elunou a décidé de terminer sa course.
Ushindike. Dégagement de Ushindi. Qui envoie le train à cette balle. Alors envoyé par Macon Etienne. Aruna. Encore Evina Farel. Elounou. Elounou qui a attendu l'appel de Evina. Malheureusement, il y avait ses pieds gauche, pied droit de Mukandi la merveille. Bonjour Angèle. Bonjour Angèle, bien pressé par Makoko. Faute sur Wonjo. Il faut aussi dire que l'arbitre Abdel Ousmane qui est en train de faire une très bonne prestation. Car face à ces jeunes, il faut vraiment être pédagogue. Car les Nords sont encore solides. Mboussi, attention. Tête complètement manquée. La part de Fumo Adrien. Lui qui était oublié dans cette heure sur phase de réparation congolaise. Malheureusement. La tête de Fumo Adrien ne va pas du tout inquiéter le portier Ushindi Ike. Pakesman, nous sommes déjà à la 103e minute de jeu ici à Massama Deba. La partie a vraiment baissé en intensité malgré la supériorité numérique des Lions Indomptables du Cameroun. Tout à fait, malgré la supériorité numérique des Lions Indomptables, mais match nul toujours, un but partout. Le Leopard est en train de subir. C'était Mamad Fofassif des Lions Indomptables mené par Enjoy, sans oublier ce jeune Aruna. Aruna qui est très performant. Les Lions Indomptables qui évoluent à 11 contre 10. Alors les Léopards peuvent que défendre. Ils n'ont pas le choix de défendre. C'est un peu de profiter de la vitesse de ses excentrés et surtout de l'individualité. Ça, il ne faut pas oublier car au sein de cette équipe de Léopards, il y a des joueurs qui sont vraiment forts offensivement et individuellement qui peuvent créer la différence à n'importe quel moment. Attention, Palato. Et oui, bien joué de la part du défenseur congolais. Ils peuvent laisser la balle pour permettre également à l'équipe de souffrir et de bien se positionner. Alors attention, Palato qui est sollicité. La centre de Palato. Palato qui voulait chercher Eboma. Mais difficile car il y a également la présence de Hamza. Récupération devant Vutuka. Attention, l'offensive congolais. Et le pas de RDC qui est bien joué de la part de l'offensive. Et oui. Le capitaine Ella Junior n'avait pas le choix. Il fallait chercher à arrêter ce vaillant terrain congolais. On nous signale le changement. Changement qui va se faire du côté du Cameroun. La sortie de Mambon. Et également là, il faut signaler qu'il y a l'entrée d'Emmanuel Kia. Lui également qui a déjà fait ses belles prestations. Attention, coup franc pour les Léopards. Coup franc qui sera attiré par Palato. Palato. On sent également la présence de Tony Talas dans la surface. Et Boma Winner sans retour à Koko. Attention, le centre de Palato. Non, pas de danger pour l'émulé Jordan Adjoa. Koukoumbé. Attention, récupération toujours de Léopard. On voudra quel spectacle bien joué de la part de Léopard. Et oui, également, ça défend bien du côté de Léopard. Attention, Fumo Adrien. Fumo. La balle est toujours camerounaise avec Ella Junior. Oui, là, les Léopards sont obligés de défendre en bloc. Attention. Avec Makoko. Matobo. Matobo Ibrahim. Matobo. Malheureusement, il ne passera pas face à l'intelligence de Hamza Ahmed. Qui va d'ailleurs écarter la balle du côté gauche pour Elounou. Bonjour Angèle. Bonjour. Adjoa Jordan. Adjoa pour Djibran Ibrahim. Non, la balle sera récupérée par Ushindi Ike. Ce sont 7e minute de jeu ici à Massama Deba. Cameroun 1, RDC 1. Malgré qu'ils sont en 2 mois, ils sont en infériorité numérique. Les Léopards ne cessent de se créer des occasions. Avec le cœur, les gars, avec le cœur.
centre de touche effectué par Evina Farrell. Mboussi Stéphane. Mboussi. Hamza. Hamza pour Adjoa Jordan. Adjoa. Photo de Ebou Mewina sur Adjoa Jordan. Adjoa. Deuxième fois de suite sur Adjoa Jordan de Ebou Mewina. Emmanuel qui a qui va écarter pour Evina Farrell. Evina encore ok, Emmanuel qui va chercher la profondeur vers Angel Wundjou. Malheureusement il y avait ce pied congolais. Qui a Emmanuel qui a attend heureusement, attention, deuxième tentative pour qui va l'écarter cette fois-ci par Mukandila Ferdinand. Mais Calpes elle passe magnifique de Qui a Emmanuel qui a cassé des lignes pour trouver en profondeur Fumu Emmanuel, Fumu Adrien. Et le portier Ushindi qui s'est loupé. Et heureusement, il y avait ce retour de Palato pour mettre cette balle en corner. Corner pour les Lions de table du Cameroun. Corner très très mal tiré. Et la reprise de... Et la Junior va passer à côté. La tempête va... se calmer côté Leopardo de la RDC qui résiste jusqu'à présent. Ils ont assisté à ce très long dégagement la part de Ushindi Ike, sociétaire du cercle sportif Don Bosco. Déviation de Boma Winner. Boma qui voulait chercher Matobo Ibrahim. Est-ce que Matobo le rallye? Oui, Matobo. Matobo lance devant Matobo, sur deux, Matobo dans ce cas-ci. Ça passe à côté. Quelle action menée jusqu'à la dernière instant. Ce centre de Talassi Tony qui vient de couper la trajectoire de ce centre lumineuse de Matobo Ibrahim. Malheureusement, il va buter sur le portier Bangcheni. Mais qu'est-ce qu'il est dangereux ce jeune Talassi Tony. Palato, Palato, geste acrobatique manqué à part de Emma Winner. Encore un Matobo, Matobo, Matobo face à Lounou. Faute, oui, faute, grosse faute de Lounou sur Emma Winner. Coup franc pour la République démocratique du Congo. Alors que l'arbitre Abdelkarim Ousmane. Nous allons revoir cette faute de Lounou sur Matobo. Mais qu'est-ce qu'il est vicieux ce jeune Matobo. À son jeune âge, il ne recule jamais. Il ne fait qu'attaquer. Un danger permanent pour la défense. Il va cesser ce coup franc. Côté droit que va tirer ce pied gauche de Palato Berdi. Attention. Ce jeune Palato. Terre de la jeunesse sportive de Tangou, Tchangou. Palato, Palato qui va tenter la chance en Palato. Balle captée, 3 points par le portier Bangcheni. Ce jeune qui est volé du côté de Pauvre de Mamenda en élite 1 camerounaise. Le candidat Ferdinand. Andjoa Jordan. Andjoa. Andjoa qui va chercher. Elounou. 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 Elounou pour qui? Attention. Encore ce jeune Palato. Et la Junior. Faute. Grosse faute de Ella Junior sur Matobo. Mais l'arbitre va une fois de plus utiliser la pédagogie pour rappeler à l'ordre ce défenseur Ella Junior après cette grosse faute sur Matobo. Car il est en retard. Palato. Alors que le banc congolais réclame un carton. Le combat Dieu merci. Mavutoko. Récupération de Lounou. Adjoa Jordan. Adjoa pour Evina Farrell. Evina. Evina Farrell. Qui va servir Kay Emmanuel. Centre de Kiaosega Poto. Attention, oui.
Position d'hors-jeu, signal arbitre assistant. Position d'hors-jeu, la part de Dibra Emmanuel. Pierre Kezman. Les deux joueurs congolais sont à l'échauffement. Alors que la RDC est en train de pousser malgré leur infériorité numérique sur l'air de jeu. Tout à fait, on sent également et on entre les voir ce jeune Eugène Dumbo qui pourrait également apporter un peu plus à cette équipe. Car ça veut dire que non, c'est un jeune qui part très vite avec la balle. Il défend bien. Il peut également aider également le Léopard qui est en difficulté cet après-midi. Mais il faut se dire que non, rien n'est encore terminé ici au stade Alphonse Massamba Débarque. Car les Léopards peuvent surprendre cette équipe des Lions Indomptables malgré qu'ils sont dominatrices ici au stade Alphonse Massamba Débarque. Attention, il y a faute. Oui, faute de Moukandi la merdi. Elono. Elono qui voulait, qui va chercher Wondjo Angel. Oui, il y a cette très bonne communication entre cette charnière centrale composée de Jules Aoka et de Lukombe. Deux joueurs qui ne sont pas de Zaxio, mais les circonstances obligent. C'est des choix contre nature qu'a eu opéré l'entraîneur Guy Bukassa. Car ce jeune Lukombe, un milieu offensif, et ce jeune Jules Aoka, auteur d'un très grand match lors des deux premières sorties, obligé de se repositionner dans la charnière centrale, mais qui sont irréprochables jusqu'à présent. Angelo Wondjo, non. Angelo Wondjo ne trouva pas le cadre. La frappe de Angelo Wondjo va passer largement à côté. Oui, c'était mal joué de la part de Angelo Wondjo. Il y avait de la solution sur le côté, mais il a préféré tenter, mais il n'a pas cadré sa tir. C'était vraiment mal joué de la part de Angelo Wondjo, car Fumu Aldrier réclamait la balle. Mais rien n'est encore terminé, 74 minutes à jouer, la balle serait pour les Congolais. Ike Uchuke. Dégagement de Uchindike. Andjo Jordan. Andjo Jordan. Et Vina Farrell. Centre pour attention de Vina. Balle renvoyée par le capitaine Lukombe, Dieu merci. Evina. Balle récupérée, attention ce que dit l'arbitre. Contrôle de la main. La part de Mavutuku, merdi. C'est 10 Congolais, c'est des vraiment guerriers. Des vrais combattants. Car ils sont en train de tenir tête face à une équipe camerounaise à 11. Depuis la 35e minute. Et se crée même des meilleures occasions jusqu'à présent. Plus que 15 minutes à tenir pour les Leopardos de la RDC face au Lionceau indotable du Cameroun. C'est ce deuxième choc de la journée. Car l'enjeu est de taille. Ce n'est pas seulement la finale, mais surtout ce ticket qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Dans le premier a été obtenu par le Congo, pays hôte. Attention avec Ella Junior. Ella, centre de Ella, c'est quoi poteau vers Aruna Djibra. Aruna face à Moukandji Laberdi. Moukandji Aruna, la frappe de Aruna contrée. Récupération de Makoko Bichekwa Kevin qui va trouver par la Tony Palato. Non, plutôt Tony Talassi, mais l'arbitre estime qu'il n'y avait pas faute. Et la partie se poursuit. Andjo Jordan, Andjo, par le faute, Talassi Tony, qui écarte pour Mavutuku, quel nous a vu Mavutuku, quel est magistral, c'est un jeune, c'est jeune à Mavutuku, récupération camerounaise, attention avec Aruna, ce poison d'Aruna, balle dégagée cette fois-ci par Moukandi, la Lukombe, Dieu merci, quel match énorme, quel match à l'allure d'une finale. Très belle opposition de football. Récupération camerounaise avec Hamza. Kay-Emmanuel. Attention avec le jeune Eluna. Eluna. Centre second poteau vers Aruna Djibra. Aruna la remise. Heureusement. Aruna s'est manqué. Quel long de frappe de Adrien Fumu. Alors qu'il était oublié au second poteau. Il a préféré la puissance que la tranquillité.
La lourde frappe de Fomo Adrien est passée loin des cages. Est allé chercher les oiseaux ici à Massamba Déba. Je pense qu'on devait encore ajouter un second poteau derrière pour ce jeune Fomo Adrien. Car il s'est trompé. Il a vu peut-être deux poteaux. Kazman, ce genre de frappe au rugby, c'est des pénalités qui donnent les trois points. Malheureusement, nous sommes au football où il faut cadrer pour tromper la vision du portier Ushindi Ike. Tout à fait, ce jeune Adrien, il n'a pas pu vraiment cadrer sa frappe. Lui qui était oublié derrière. Regardez quelle passe de la part de ce jeune Aruna. Et la tranquillité, c'est vraiment un poison, un meneur de jeu, ce jeune Aruna. Fomo Adrien n'allait que cadrer sa frappe, mais il n'a pas pu cadrer sa frappe. Alors match nul toujours, un but partout. Le Léopard qui est en train de tenir tête face à cette équipe de l'ONU Indomptable. Un vrai match de football. Les RDC qui ont tenté de jouer un sale coup aux Camerounais. Le Cameroun qui n'a jamais été inquiété. Il n'a jamais souffert de la santé depuis le début du tournoi. Il faut dire qu'ils ont su marquer 7 buts avec beaucoup de facilité lors des deux premiers matchs. Mais aujourd'hui, c'est une équipe qui a été menée très tôt sur cette frappe lumineuse de Tony Talassi avant qu'ils puissent revenir au soir quelques minutes après. Mais c'est en deuxième partie où nous sommes en train de voir encore cette équipe camerounaise en train de souffrir. Et la possession de balle est égale jusqu'à présent 50-50 entre les deux nations. Il faut dire que le plan mental joue énormément côté congolais car tenir à 10 face à cette équipe camerounaise avec des attaquants qui vont très vite balle au pied à l'instar de Andjo Angel ou encore Aruna Djibrin, il faut le faire, ils sont en train de tenir. Nous sommes déjà à la 89e minute de jeu ici à Massamba Déba. Toujours un but partout entre la RDC et le Cameroun. Et oui, toujours un but partout entre la RDC et le Cameroun. La RDC qui est en train de tenir tête face à cette équipe des Lions Indomptables. L'une des meilleures équipes de la compétition, la meilleure attaque de la compétition, avec là déjà 8 buts marqués. La RDC qui est en train de subir malgré ça, mais en train de bien défendre, il faut se dire. Déjà, un effectif bien réduit à 15 joueurs. Et là, ils sont sur le terrain à 10. Et là, ils sont en train de tenir. C'est à féliciter. Cette équipe peut nous surprendre à la fin. Voilà une image de portier Bancini qui ne comprend pas qu'est-ce qui arrive aux liaisons de table du Cameroun. Il faut dire que les deux nations, les deux attaques des deux nations font 12 buts déjà. Car le Cameroun est inscrit 8 et les RDC 4. Je pense que c'est des équipes, des grandes nations du football, surtout sur cette zone UNIFAC. Ça montre de voir là en campisté avec la régie. Quelques actions de cette rencontre. Fomo Adrien qui dévie cette balle, oui. La touche sera congolaise. La touche qui va être effectuée par ce jeune Palato Berdu. Ce jeune latéral de la jeunesse sportive de Tchangou. Bon, winner. La balle camerounaise. Avec Andjo Jordan. Centre de Andjo Jordan. Attention avec Djibril Ibrahim. Non, ça passe à côté. Lui qui a loupé sans contrôle. Alors que le bon le touche camerounais était déjà debout. Sur cette action de Aruna Djibrin. Plus que 8 minutes à tenir ici à Massamba Déba. Toujours un but partout entre les deux nations. Vous comprenez que la qualification n'a jamais été une chose facile. Surtout ce ticket qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Et il faut dire, il y a aussi une place en finale. Ce tournoi de l'UNIFAC. Car il y a un trophée tant convoité par ces nations. Mais dès le départ, toutes ces nations savaient qu'il n'y avait que deux places à prendre pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'était peut-être l'objectif principal de ces six nations présentes ici à Brazzaville. Et jusqu'à présent, la première à obtenir cet objectif, c'est les Diabrougeurs du Congo qui se sont imposés très tôt dans la journée face aux Fauves du Bazobongui sous la marque de 2-0. Alors que nous sommes en train d'assister à une finale. Ce soir réussi à Massoma Déba entre les Lionceaux indotables du Cameroun et les Lépardos de la République démocratique du Congo. Ballon renvoyé par Hamza Ahmed. Mafutuku, encore Andjoa Jordan. L'infatigable Andjoa qui va servir Eluna. Eluna. Eluna qui va écarter de l'autre côté. Kemmanuel. Evina Farrell. Emmanuel. Emmanuel qui a plutôt Eluna. Eluna. Centre de Eluna au second poteau. Attention. Il y avait encore ce jeune Palato pour renvoyer très loin cette balle. Attention avec Hamza. Hamza avec beaucoup de tranquillité va retrouver son portier Bangcheni. Hamza Ahmed. Hamza. Hamza, ce jeune de Yosa de Bamenda. Un jeune très intelligent, très prometteur. Né un certain 8 juin 2005 du côté de Bamenda. Et bon, ma winner. Quel geste technique m'a figuré ici. Matobo. Matobo. Lui qui aime les petits espaces. Il était stoppé net cette fois-ci par Eluna. Attention. Ça va très vite avec Evina Farrell. Qui cherche profondeur. Fumu Adrien. Fumu Adrien. Fumu. La frappe de Fumu. Encore Fumu. Dégagement cette fois-ci de Mukandila Aberdi. Maintenant l'arbitre signale sa position d'hors-jeu. Alors qu'il y a un Congolais qui est joué au sol. C'est nul autre que Mukandila Ferdinand. Et ce jeune guerrier va finalement se relever. Car il sait qu'il est obligé de terminer cette rencontre. Car le bout de touche congolais n'est pas si riche. Vraiment. Le Congo est en difficulté. Quand je parle du Congo, il faut préciser le Congo démocratique. Le BC. Eluna. Eluna qui cherche Wanjo Angel. Encore Palato qui va relever cette balle. Faute. Oui, grosse faute. La part de Evina Farrell. Alors que l'arbitre fait appel vite à l'équipe médicale congolaise. Vous voyez ce jeune congolais. Le premier buteur de cette rencontre. Ce jeune Tony Talassi, sociétaire de l'Académie de formation Les Anges Verts du Congo. Né un certain 23 décembre 2005 à Kinshasa. Il va se relever ce jeune Tony Talassi. Attention, Makoko. Heureusement, la balle renvoyée par Numbisi Stéphane. Mavutoku, il est énorme ce joueur, Mavutoku. Quel talent. Contrôle manqué à part de Palato. Le Dering Club Motema Pembe devrait être content d'avoir ce jeune joueur, Mavutoku. Car cette formation a eu de très très jeunes joueurs prometteurs. À l'instar de Karine Kimfoudi. Tomanzo Toborel,
passer par cette formation du Daring Club Motema Pembe. Et là, ils ont encore la relève avec ce genre de jeune Mavutoku Merdi. Attention, Elounou. Intervention musclée. Mais il faut dire qu'il y avait eu ce dernier pied du côté de Lounou. Evina. Evina. Kay Emmanuel. Non. Parce qu'on peut en manquer à part de Kay Emmanuel. Et le portier Ushindi. Qui essaie de jouer avec le temps. À 2 minutes de la fin de cette rencontre. Où le Léopard s'est en train de tenir en échec. Les Lionceaux du Cameroun en supériorité numérique depuis la 35e minute. Alors que dans les gradins, l'ambiance mène, l'ambiance monte. Alors que nous sommes un mardi, 1er octobre 2024. Très belle ambiance ici à Massamba Déba. À 2 minutes de la fin de cette rencontre. Andjo Jordan, Andjo en récupération de Mavutoku. Et Boma Winner, attention. Mavutoku, plutôt Tony Talassi. Très bonne défense. Très bon retour défensé par deux. Hamza Hamidou, Hamza. Quel retour. Alors qu'il y aura une faute côté congolais. Quel arbitrage. Quel match énorme entre deux réalisés l'arbitre tchadien. Qui est en train de faire un très grand match. Alors qu'il y a un joueur congolais qui est au sol, Tony Talassi. Nous sommes pratiquement à une minute de la fin de cette rencontre. Toujours un but partout entre les Leopards de la RDC. Et les Lionceaux indomptables du Cameroun. Ce match qui est énormément suivi du côté de Bafoussam, Limbe, Yaoundé, Garoua. Également du côté de Lubumbashi, Chikapa, Kananga, Manema, Kisangani pourquoi pas, et surtout la grande ville de Kinshasa. Faut dire qu'il nous signale 4 minutes du temps additionnel ici à Massamba Déba. Cela ne nous empêche pas de faire un clé du côté du Cameroun où nous pensons à un certain phénomène Mbalé qui nous suit en direct. Également Giscard Mukelenge qui nous suit depuis Kinshasa où cette rencontre est vraiment suivie. Attention. Jules Aouka et la Junior. Kakezman, plus que 4 minutes à tenir pour les deux nations qui de la RDC ou encore du Cameroun vont aller chercher cette qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, surtout pour cette grande finale du tournoi de l'UNIFAC. Kakezman, le Cameroun qui avait l'opportunité de mettre en difficulté cette équipe de la RDC. Malheureusement, j'ai vite compris qu'il fallait que les deux formations soient à 11 pour que vous voyez cette équipe camerounaise faire du bon jeu. Et surtout, les choix tactiques opérés par Ivan Conway et Pius Nzefi qui n'ont pas apporté leurs fruits. Et tout à fait, même le téléspectateur peut en témoigner. La plupart des actions offensives, c'était camerounaise. Mais malgré ça, les Lionceaux indomptables n'arrivent pas vraiment à marquer le but de la victoire pour vraiment qualifier cette équipe directement à la CAN et pourquoi pas à la finale. Alors là on se pose la question, qui des deux nations affrontera les Diables Rouges en finale? Attention à Aruna de la surface. Et oui, contre manqué de la part de Aruna, corner en faveur des Lionceaux indomptables. Corner pour les Lionceaux indomptables du Cameroun. Alors qu'on se pose la question, où est passé le MLE camerounais? Car cette formation n'abdique pas, cette formation n'abandonne jamais. Mais ce n'est pas la même, ce n'est pas le même MLE que nous sommes en train de retrouver ce soir ici à Massamba Déba. Car c'est une équipe camerounaise qui a fléchi depuis l'arbitre de cette partie. Et la Junior, Wonjo Angel, centre de Wonjo. Malheureusement, envoyé très loin par Tony Talassi.
qui va mettre cette balle en touche à 2 minutes de la fin de cette rencontre. Alors que le portier congolais se tord de douleur et une fois le plus allongé. Alors que dans les gradins, c'est l'ambiance qui monte. Je pense qu'il y aura encore un double changement côté camerounais. Ils ont directement passé aux séances de tir au but avec l'arrivée du portier camerounais. Notamment le portier Jovial Mangoua 2. Ce jeune qui évolue du côté de Éclair FC, de ça et de Arsène Mekila qui vont faire leur apparition. Sortie de Bangcheni qui va céder sa place à Jovial Mangoua. L'entraîneur Ivan Kenmoé a compris qu'il faut vite penser déjà aux séances de tir au but. Car c'est pratiquement la fin ici à Massamba Déba. Nous allons peut-être assister aux premières séances de tir au but de ce tournoi de l'UNIFAC. C'était vraiment une finale avant d'être ce demi-finale. Quel match spectaculaire, formidable. Nos internautes, nos téléspectateurs, nos supporters ne se sont pas ennuyés. Les Léopards qui ont montré du caractère, de la détermination, surtout de l'envie, malgré qu'ils étaient amoindris. Et le Camerounais qui était toujours à fond. Malheureusement, les choix tactiques opérés par Ivan Kenoué n'a pas produit ses fruits. L'homme se montre de voir Guy Boukassa qui veut lancer un dernier pion. Également lui qui veut lancer ce jeune Idumbu. Oui, faute. Faute pour les Léopards. Alors que le géant gardien congolais, le jeune joueur qui évolue de l'étranger, va faire son apparition sous l'air de jeu. Le portier Johan Bopaka Ngamounia qui évolue du côté de Merlous en France. Lui qui fait pratiquement 2 mètres va faire son apparition au les places de Ushindi. Il est d'ailleurs applaudi par le public ici à Massamba Déba. Nous allons peut-être assister à une très bonne séance de tir au but. Et c'est la fin ici à Massamba Déba. C'est seulement la séance de tir au but qui va départager les deux nations. Après ce 90 minutes spectaculaires où les deux formations n'ont pas pu se départager, nous allons désormais attendre cette séance fatidique de tir au but pour savoir qui de la RDC ou encore du Cameroun va obtenir son ticket pour les demi-finales, pour la finale, surtout pour la Coupe d'Afrique des Nations. Quel match spectaculaire, Pekesman. Il faut des nerfs solides pour tenir tête en ce moment, en cet instant, car mentalement, à mon humble avis, c'est la RDC qui est plus déterminée, car ils ont pu tenir depuis les 35 minutes en infériorité numérique face à une équipe camerounaise qui était redoutable offensivement, force défenseur défensivement, mais qui ont manqué du réalisme cet après-midi face aux Lions, au Leopardo de la RDC. Tout à fait, les Leopards de la RDC étaient prêts mentalement, ils étaient bien formés. Le coach Guy Boukassa l'avait dit déjà hier en conférence de presse, et oui, il a vraiment bien formé les joueurs mentalement, et on a senti également de la pression et de la force, surtout de l'envie au sein des joueurs des Leopards. Ça ne serait pas facile, mais cette étape de tir au but, c'est décisif. Oui, il en fait la force. Nous sommes en train de voir les deux gardiens, les trois gardiens même. L'entraîneur de gardien, le titulaire Bangcheni et l'entraîneur Jovial Mangoua en prière. Car tout va passer maintenant. Les joueurs ont eu à faire leur match. C'est à eux maintenant de sortir le grand jeu. Alors qu'en face, l'entraîneur Guy Boukassa est en train de prendre les noms de 5 commandos de la RDC qui vont aller sur cette séance fatidique des tirs au but. Il faut être fort pour prendre ces risques. Et ces jeunes ont été préparés pour ça. Les voilà
ils n'hésitent pas à soulever les mains pour aller au sens de tir au but. Quel discours de commentant les vrais guerriers la part de Guy Boukassa et ses poulains. Alors qu'ils ont réussi à faire le plus dur durant les 90 minutes. Mais tout va se jouer lors de cette séance fatidique des tirs au but. Ici au stade Alphonse Massamadeba, où nous serons qui du Cameroun et de la RDC vont accompagner le Congo et surtout représenter 16 UNIFAC à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Si on se terrain interdit aux cardiaques, prenez vos carnets et notez, car en face nous avons deux portiers qui n'ont jamais eu le temps de disputer leur première minute de ce tournoi, mais cet après-midi, ce soir, ils vont nous montrer de quoi ils sont capables, notamment du côté camerounais avec Jovial Mangwa et du côté de la RDC avec ce jeune Yohan Bopaka Ngamwania qui nous vient de la France. Qui le deux sera le héros national de sa nation, Pierre Kezman. Tout à fait, il faut dire que c'est stratégique. Les deux entraîneurs ont bien réfléchi, ont pensé que c'était peut-être les hommes de la solution. Alors tout à l'heure, les deux vont nous prouver de quoi ils sont capables. Commençons déjà par ce jeune portier de la RDC. Et oui, là, les compteurs à zéro. Tout se joue ici. Les deux gardiens pour sauver leur nation. Le premier tireur sera camerounais. Ça sera Dorinel, Wanjo, Angel Mata, qui sera face à Ngamouné Bopaka. Et c'est loupé! C'est loupé! Angel Wanjo frappe largement à côté alors que le portier Ngamouné Bopaka était parti sous le bon côté. Le Cameroun qui va nous manquer son tout premier penalty manqué par Angel Wanjo. Quelle action Pierre Kezman, auteur d'un grand match, mais le risque pris par ce jeune Wanjo vient de manquer le penalty. Et oui, Angel Wanjo qui a manqué son penalty. Mais il faut dire qu'il a tiré de la même façon qu'il a tiré le but dans le match. Angel Wanjo qui était vraiment pas trop concentré. Et là, le Cameroun est en défaillance. L'avantage est pour la RD Congo. Oui, cette fois-ci, c'est Lukandila Ferdinand face à Jovial Mangwa. Attention, les armes sont si veulent vous abstenir. Silence en radio, ici à Massamadeba. Vous avez marqué. Mukandi Laferdinand vient de donner l'avantage au Leopardo de la RDC. Les RDC qui prend l'avantage sur eux. C'est le but de séance de tir au but. La pression reste toujours du côté camerounais. Après ce penalty
Bien transféré par Moukandila Ferdinand, malgré que le portier Jovial était sur la trajectoire de la balle. Et tout à fait, le portier Jovial était sur la trajectoire de la balle. Mais la balle était tellement bien frappée par Moukandila, permettant ainsi à la RDC de prendre l'avantage. Alors là, la pression reste du côté du Cameroun, cette fois-ci. Avec un Fumu Adrien face à Demonia Ake Bopaka. Fumu face à Demonia. Et oui, on va assister avec Fumu Adrien. C'est marqué. C'est marqué. Et tout à fait. C'est le but. Fumu Adrien qui n'avait plus droit à l'erreur. Attention, ça c'est la prière du côté de la RDC avec Sejène et Dumo. Oui, oui, il est sur les bonnes touches. Il peut que prier pour la nation. Oui, le suspension reste énorme ici à Massama Déba. Faites-vous ces images que nous montre Farid Bandjouzi à la réalisation. Chapeauté par Ajax Mbemba. Des très belles images. La pression reste toujours énorme. Le tireur congolais. Faites-vous ces images. Le football est cruel, le football est énorme. Ce jeune Indoubo qui ne cesse de prier. Alors que Lukombe, Dieu merci. Lukombe. C'est marqué. C'est marqué. Deuxième penalty bien concrétisé par le capitaine de l'Épargne de l'RDC, Lukombe, Dieu merci, qui porte le nom de Dieu. Merci, il a été avec lui. Il vient de transformer le deuxième penalty de l'Épargne de la RDC, Pierre Kazman. Et tout à fait. Lukombe, Dieu merci, capitaine de l'Épargne, qui vient ainsi de marquer le deuxième penalty de l'Épargne, permettant ainsi à cette équipe de croire et d'être toujours en confiance. La pression n'a pas toujours changé de camp. La pression reste camerounaise jusqu'à présent. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, le portier Ngemounia Bopaka est en train de saigner. Et l'arbitre Abdelkarim Ousmane a eu à faire peut-être l'appel à l'équipe médicale. Oui, ce portier est en train de saigner. Quel match énorme! Quel match énorme! Cette rencontre qui était d'abord prévue à 16h00, mais il y a eu quelques minutes de retard pour le coup d'envoi final. Pour beaucoup d'envoi, et là, ce coup de fait final sera encore très retardé car nous avons assisté à de très belles oppositions. Belle affiche de part et d'autre, les cartons rouges de penalty, mais. Au final, c'est la séance fatidique de tir au but qui va finir par départager les deux nations, Pierre Kazman. Et oui, tout à fait. Ça, c'est la phase finale. C'est là où tous les deux équipes vont être cherchées à prendre vraiment cette place en finale. Et une place pour la CAN. Du côté de Ndoumbo, il n'arrête pas. Il continue à prier. Il continue à évoquer les ancêtres. Ndoumbo qui invoque le dieu congolais. Peut-être que ce soir le dieu du football sera congolais. Voyez-vous ce jeune qui ne veut pas du tout suivre cette séance juste devant son entraîneur qui invoque le dieu du football. Peut-être qu'il va écouter la prière des Congolais. Peut-être que le dieu du football est camerounais. Peut-être que le dieu du football est congolais. Ça nous le saurons dans quelques instants car il y a déjà deux pénalties concrétisées par les Léopards de RDC et un pénalty réussi et un marqué par les Camerounais. Tout à fait. Déjà un pénalty marqué du côté du Cameroun. Du côté des Léopards, ils sont en confiance. Deux pénaltys tirés, deux pénaltys marqués. Et oui, là, la confiance est du côté des Léopards. Là, on va essayer de voir l'état de santé du portier. C'est le Yohan, c'est le, c'est le,
Et oui, le portier congolais qui fait son retour. Oui, c'est là-bas, repartir. Kier-Emmanuel face à Ngemounake. Kier-Emmanuel. C'est marqué. But marqué par Kier-Emmanuel. Qui garde l'espoir du côté camerounais. Alors que si les Léopards veulent maintenir la pression, c'est à eux désormais de marquer. Après Lukombe, Dieu merci. Et Palato, qui sera le troisième Congolais inscrire, être face à Jovial Mangwa. Tony Talassi, l'unique buteur congolais, va arriver. Est-ce qu'il va encore manquer comme l'a manqué Angel Wonzo? Tony Talassi. Tony Talassi, c'est marqué. Le voilà. Il va encore donner l'avantage au Léopard de la RDC. Tony Talassi transformant le troisième pénalty congolais. L'ambiance est électrique ici à Massouma Déba. Kinshasa est en train de bouger. Mbujimayi est en train de bouger. Le grand Katanga. Lubumbashi est en train de bouger. Alors que les prières du côté de Bafoussam, Yaoundé Douala, est encore énorme. Le dos du football reste congolais jusqu'à présent. Troisième tentative bien réussie pour les Léopardos de la RDC. Et oui, tout à fait. Troisième tentative bien réussie par les Léopards. Evina. Evina Farrell face à Ngemonia. Evina. Evina, c'est marqué. Le suspense reste énorme ici à Massouma Déba. Attention, c'est Mavutuku, Mavutuku Merdi, face à Jovial Mangwa, retenez votre silence, attention Mavutuku, c'est marqué, encore un penalty bien reçu, quatrième penalty, bien transformé par la RDC, par ce génie de joueur. Ce maestro congolais, Mavutuku Merdi, auteur d'un très grand match. Alors que la régie tarde encore à ce jeune Udumbo. Quelle image! Penalty bien marqué, bien transformé, un coup de pied parfait. Haruna Dibouin. Haruna Dibouin. Le meilleur joueur congolais, Mama camerounais. Sera face à Ngemounia Bopaka. Alors que le stade est en ébullition ici. Aouna Samoka. C'est la fin. La RDC obtient sa qualification. Après un match stratosphérique énorme. La RDC file encore. Quel but. Quel match énorme. Il s'est passé la part de la RDC. Quelle belle affiche. Alors qu'il sort du bon la touche. Ce parti à Bopaka Ngemounia, enfin la RDC, à la Coupe d'Afrique, alors qu'ils étaient qu'à 15, ils ont tenu à 10, durant près de 75 minutes. Quelle victoire immense, Pierre Kesvan, le football est un homme, le football est cruel. Les RDC viennent de faire l'impossible ici à Massouma Déba. Les Léopards qui ont fait l'impossible, les Léopards qui étaient menés, et regardez, ils continuent à remercier leur Dieu, les dieux du football étaient du côté des Léopards.
les Léopards l'ont fait à 10. Ils sont partis éliminer cette équipe des Lions Indomptables qui était mieux placée. Et là, c'est les Léopards qui finissent en finale et se qualifient directement à la prochaine gagne. Ils ont fait les Léopards. Mais quelle équipe, quel modèle! Ces jeunes étaient tellement prêts. Et là, c'est fait. Les Léopards sont qualifiés en finale et pour la prochaine gagne. Oui, Pierre Kesman, la finale est annoncée. Nous allons vivre le derby du Faber le jeudi prochain ici à Massamba Déba entre les RDC et le Congo. Deux nations qualifiées la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Quant à nous, nous vous disons au revoir. Surtout, surtout ne quittez pas car nous allons voir des interviews en direct sur Faber Foot Media. Et Boma, grand match, malgré les difficultés, les Léopards ont su se faire tirer le grand jeu en s'imposant difficilement. Tes impressions? On a su le faire, c'est que je peux dire.
c'est remercier le Seigneur. Parce qu'on est revenu ici, on est venu ici à Brazzaville à 20 joueurs. On s'est retrouvé sur le banc à 14 joueurs. On a eu 3 blessés. On est resté à 11. Et voilà, maintenant, on a défendu le drapeau à 11 joueurs sur le terrain. Et 11 joueurs sur le terrain dans ce match. On a eu un carton rouge. On est resté à 10. Et voilà, on s'est battu jusqu'au fond. Et voilà, on a arraché la qualification de Tirobi. C'est ce que je peux dire. Merci au Tout-Puissant. Merci beaucoup, peuple congolais. Je vous remercie de nous avoir soutenus. Émotion énorme. Le mot tenu par le coach Guy à la mi-temps. Le mot pour le coach, c'est le mot que le coach a dit à la mi-temps. Le coach nous a encouragé, il nous a beaucoup encouragé, la détermination. Il a dit quand on entre sur le terrain, on ne baisse pas les visages, on reste toujours mental fort. Et voilà, on a qualifié l'équipe. Ça fait, je pense, depuis 2013, les U20 de la RDC ne se sont pas qualifiés. Et voilà, cette génération l'a fait. Et voilà, cette génération l'a fait. Allez, là, le pas. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Et là, mentalement, déjà, il faut être fort pour sortir de ce stade. Alors que vous êtes en supériorité numérique de près de 75 minutes, au final, c'est la fatigue de tir au but qui tranche le match. Bon, vous-même, vous le constatez que ça ne va pas. Tout le monde est abattu. Même les supporters qui sont venus pour nous encourager, ça ne donne pas. Nous avons fait le meilleur de nous. Mais même l'adversaire était là. Ce n'était pas facile, mais on a donné le meilleur de nous. Vous avez vu, la fin du match est arrivée, on a perdu, mais on ne va pas baisser les bras, on va continuer à travailler pour les prochaines échéances. L'objectif n'est pas atteint, c'est de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et quelle sera la suite après ce genre de rencontre où vous étiez quand même la meilleure attaque du tournoi? On va engraver la tête, on ne va pas baisser les bras, on va continuer le travail. Un message au peuple camerounais? Le message qu'il avait dit au peuple camerounais, c'est que nous sommes venus ici pour rentrer avec la victoire. Il rentre avec la joie. Mais même ils ont vu comment on s'est tout donné. On a donné le meilleur de nous. Mais à la fin, il y a toujours le gagnant et un perdant. Merci beaucoup et surtout bon courage pour la suite. Merci.